Salut et bienvenue dans votre émission L'actualité oblige, hein, qui est présentée par votre frère Papy Gen, hein, dans votre site www.tolobelavie.com, tolobelavie.fr, Tolobelavie TV, et ça toujours Bissot. Voilà. L'actualité oblige les alliés, espace Mokoto Zipoto Sololaka, Nabandeko. Nabino Bandeko, oh, Yabiso, Bozolanda Bissot. Yango to ben yango actualité oblige, donc c'est-à-dire nous sommes obligés ya kolobaka makambu oyo eza ya mboka na biso nde na lobaki biso to sala ka analyse politique te mais to solaka na bandeko oyo ya biso. Voilà, lelo to sola sur point moko eza très important, très capital, eza makambu ezo bimaka, c'est-à-dire ba plateforme ebota marapé na mboka na biso to yebaka bato bien misu ba yebaka. Alors, Bissot, Nato, le Bellavi, actualité oblige, autre chose, la toujours partager, moi connaissance, mon Kenna Bandeko, Bazolanda Bissot, tout ça, la poto sur la Ramakambo Oyo. Lelo Oyo, majorité présidentielle, c'est-à-dire Joseph Kabila, na groupe Naye, va créer plateforme Moko, Babengi Yango FCC. FCC Ngelaksanini. FCC, c'est les fronts communs pour les Congos. Donc, les fronts communs pour les Congos, il y a un Babengi FCC. C'est tout ça que c'est le symbole pour comprendre. Donc, voilà. Alors, FCC, il y a un Zanini. FCC, c'est une plateforme, Mokolo Kola, opposition Saraki, rassemblement. Et Zapendenge, Mokolo, Bato, la majorité. Baye Kosale Labiso FCC. Alors, déjà, Batoubakomi qui a adhéré Kuna et Belé, donc ils ont déjà, c'est-à-dire 15 regroupements et partis politiques congolais, dont certains se revendiquant de l'opposition, ont adhéré à la plateforme électorale dirigée par le président Joseph Kabila, les Fronts communs pour. Voilà. Donc, le Front commun pour les Congos, FCC, créé à l'approche des élections générales prévues. Donc, Basali et Loko Oyo, n'approche l'élection. Élection Zoya déjà le 23 décembre, mais Bango, Basali et Loko Oyo. Non, pour commencer, nous avons d'abord Makambo et Leki Lelo, nous avons dit que nous avons adhéré. Tomoni batangi pe combo ya apareko. Pour ne pas tolo ba vie na biso no rengwana parce que ye azali ki wana te, mais batangi combo ya apareko, mutu moko ya apareko balobi ye pe déjà, c'est-à-dire bango déjà mo ba dire non ngwanda pe adhéré. Bolanda comme ça tozonga na sima toyeba ce qui m'a cambango, ils ont dégainé. Considérant la nécessité impérieuse que les Congolais mis ensemble ont toujours réussi la République démocratique du Congo, une grande coalition. Nous pensons que nous n'avons qu'un seul Congo. Et je suis heureux de constater que même les membres de PARECO de M. Honoré Nguanda ont adhéré aujourd'hui. Le cabinet du président de la République, Némi Moulagna, tous les modérateurs l'ont rappelé. Le FCC, c'est, je dirais, la plus grande coalition qui n'ait jamais existé depuis l'indépendance que nous venons de faire aujourd'hui. Nous avons voulu démontrer que nous pouvons taire nos divergences et regarder le Congo comme un patrimoine commun. Et nous n'avons qu'un seul objectif, gagner les élections. Donc quand vous voyez le FCC sortir, ça veut dire tout simplement que nous, membres du FCC, avec toutes les forces en présence, aussi bien de la majorité présidentielle, de l'opposition dans sa diversité, que de la société civile, nous croyons aux élections et nous allons les gagner. J'aimerais dire à ceux qui traînent encore que qui viennent rejoindre le bateau,
du FCC. Parce que vous avez vu, pendant 3 jours, nous avons fait les séances d'adhésion, mais nous avons été submergés pour aujourd'hui. Nous n'avons pas fini, nous présentons d'ailleurs nos excuses pour tous les adhérents. Voilà pourquoi il y aura des séances spéciales. Nous croyons qu'en 3 jours, on allait terminer. Nous aurons des séances spéciales que nous allons envoyer un communiqué de presse pour signaler à quel moment on va faire ces séances. Et la charte, conformément à l'article 6, reste ouverte à l'adhésion. Nous allons aux élections. C'est le message que nous donnons et nous allons gagner ces élections. Selon cela, peut-il dire qu'au moment... Honoré Nguanda, qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Ils font partie du FCC aussi. Madame, le FCC, vous parlez de Pareco de Honoré Nguanda avec son représentant de Paris qui a signé avec nous aujourd'hui. Nous disons ceci, le Congo appartient à tout le monde. Le patriotisme n'a pas de différence idéologique, n'a pas de différence religieuse, n'a pas de différence sociale. C'est l'amour de la patrie. Nous pensons que nous n'avons qu'un seul Congo. Et je suis heureux de constater que même les membres de Pareco, de M. Honoré Nguanda, ont adhéré aujourd'hui. C'est pour dire que l'idée du président de la République, son excellence Joseph Kabila Kabange, a été entendue. Le Congo, c'est ce que nous avons de plus cher. Oublions ce que nous avons dit hier et mettons-nous ensemble pour voir le Congo de demain. Nous avons besoin de gagner ces élections et d'avoir une majorité conséquente afin d'opérer les grandes réformes dont a besoin la RDC, afin que nous puissions finalement décoller. Parce que le président de la République a fait un constat. Chaque fois, nous gagnons les élections. Mais après avoir gagné des élections, il y a des dialogues, il y a des rencontres, et nous gérons ensemble. Alors pourquoi attendre seulement après les élections que nous puissions chercher celui-là, il était dans tel mouvement? Nous devons nous mettre ensemble avant les élections, et ensemble produire un programme commun, et soutenir une seule candidature aux élections présidentielles. Si les gens de Nguanda sont venus, ils sont les premiers peut-être, mais nous pensons que tout le monde doit venir. Tout le monde doit venir. Vous avez vu le centre venir. Le centre n'était ni du côté de la majorité, ni du côté de l'opposition, mais le centre, quand il a vu sortir le FCC, il dit « j'adhère ». Donc ça veut dire que nous lançons le message à toute la classe politique, à toutes les forces politiques et sociales, quel que soit ce que vous avez dit hier. Parce que vous savez, Jésus avait dit à la femme qui avait commis l'adultère que tes péchés te sont pardonnés. Et nous aussi, nous disons que tout ce que nous avons fait hier est effacé. Et nous pensons que nous ne devons pas commencer à nous cabrer sur nos intérêts personnels, sur nos divisions individuelles. Nous devons nous mettre ensemble. C'est pourquoi nous disons, ensemble, dans cette structure, dans cette grande coalition, nous sommes sûrs que le Congo de demain sera meilleur que le Congo d'hier et encore meilleur que le Congo d'avant-hier. Faire passer à l'opinion et nationale et internationale et que nous allons aux élections. Et ceux qui ne croient pas se trompent lourdement. Ceux qui pensent qu'il n'y aura pas d'élection à la fin de cette année se trompent lourdement. Votre forte mobilisation depuis ces 3 jours démontre la détermination du président de la République de nous amener vers ces élections. Préparez-vous, n'écoutez pas les sirènes qui viennent d'outre Atlantique, qui vous font croire qu'il n'y aura pas d'élection, qu'il y aura un glissement, que nous n'avons pas d'argent pour organiser les élections. Nous avons toute la logistique et nous avons tous les moyens financiers pour organiser ces élections sans les concours de quiconque. Au nom du comité stratégique, nous vous félicitons et nous vous encourageons à préparer très sérieusement votre campagne et de gagner à la fin démocratique d'ici 6 ans, et beaucoup veulent en profiter pour atteindre notre objectif. Premier combat, le deuxième combat,
il y a un combat électoral qui compte. Il faut aller vers le cœur des Congolais et leur démontrer la pertinence des propositions qui vont sortir de ce regroupement. Et nous comptons bien nous imposer pour que effectivement notre singularité puisse se manifester à travers la vision programmatique que présentera le FCC. Je sens qu'il rapproche tout de même de la mouvance présidentielle. Est-ce qu'il y a des trahisons vis à vis des vos électeurs? Je pense surtout que vous êtes dans une approche politique totalement erronée, qui ne correspond en rien à la réalité pratique que nous mettons sur la table. Si pour vous, être dans un regroupement, soit-il proche du chef de l'État, est une trahison, vous avez une drôle de conception de la République. Vous avez une drôle de conception de la République. Parce que la République, c'est des institutions, c'est un pouvoir qui, au quotidien, gère ce pays. Donc, le centre n'était pas au départ plus proche d'un camp plutôt que d'un autre. Nous sommes une start-up politique, et c'est comme ça que nous définissons, forte croissance dans un environnement concurrentiel, et les choix que nous devons faire sont des choix sérieux pour notre survie. Nous avons tout engagé dans cette entreprise et nous ne pouvons plus. Chers internautes, mesdames, messieurs, je crois vous comprendre, Bolandi, moi, Elema, on a Tchelibino, na évité ce qu'il faut tout le banini, na makamboyo, na évité ce photo le banini, mboka, eza kokufa, mboka, eza bienté, mboka, na bichoza, mboka, eza bela makasi. Mais, ma plateforme, eza botama kaka, eza l'accès déjà que, bande kolabiso oyo, baza la pouvoir, balingi na bango kotika pouvoir oyo te, pacifiquement. Alors, le commandant de Waliko tika pouvoir te, na évité ce photo ça ni. Bande comme ça, l'embi na bango ale, bango wana mbala moko mbango. Commentaire exact. Commentaire exact. Biso toza wana kaka, soki lisolo ezali. Vraiment, en tout cas, to lembate. Soli kambo ezali, neti ya boye, bino mo bomoni. Merci.